Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On va voir ce que nous réserve ce match. Quelle technique. Florenzi. Il l'a vu. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Long ballon dans le sens du jeu. Marco Verratti. Marco Verratti. Attention! Parade superbe! Ce ballon dans la surface. Il est là pour dégager. L'Italie qui récupère ce ballon. Avec Verratti. Il tire! Et ça passe tout près du poteau gauche! C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort. Un long ballon vers l'avant. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Bernard Leschi. C'est parfait, magnifique. C'est joué long. Il joue en profondeur. Dans la profondeur. Attention, la frappe! C'était presque au fond. Ouh, quelle occasion! Il relance côté droit. Bernardeschi. Il va au duel. C'est le moment de centrer. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Bon, le score est toujours nul et vierge. Pour filer droit au but. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Jorginho. Il continue sa course. Insigne. Jolie technique pour se créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Premier corner dans cette rencontre. Ils se sont retournés, énorme. Aucun danger pour le gardien. Il s'impose physiquement dans ce duel. Marco Verratti se projette vers l'avant. Le jeu repart vers la droite. Oh, c'est chaud! Le bon ballon. Quelle intervention de Bonucci! Ça passera sur le côté. Ça joue long. Oh, le bon ballon! La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce saut. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance.
c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Long ballon. Mitroglou, bien placé sur ce long ballon. Quel timing dans l'interception. Il y a peut-être un coup à jouer. Et le ballon continue de lui coller au pied. Lorenzo Insigne. Jorginho. C'est reparti, ils peuvent contrer. La longue passe. Il frappe. C'était chaud. La parade spectaculaire. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. La faute. Il joue en retrait. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il allonge vers l'avant. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. C'est récupéré. Dans la profondeur, bien vu. Oui, il peut frapper là. Bernardeschi. Il arrête ce tir sans problème. Un maximum de réussite pour arrêter de ce ballon. Malheureusement pour lui, il a manqué de son franc. La Grèce qui effectue un changement. Son entraîneur. Il la repousse. Avec Verratti. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. L'Italie cherche à faire la décision dans les dernières minutes. Le bon dribble. C'est bien donné, il peut frapper. Verratti. Jorginho. C'est bientôt terminé, il faut vite trouver une solution. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Zaniolo. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Non, il est signalé hors jeu. Le gardien dégage, loin. C'est fini, le match est terminé. On a vu des belles choses dans cette rencontre, il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant, mais 0-0.